les producteurs d'œufs du Canada annoncent la transition de l'industrie à partir des cages conventionnelles vers de nouveaux logements. C'est un communiqué de presse qui a attiré mon attention vendredi dernier. Tout de suite, on discute du sujet, donc des poules qui vont sortir des cages conventionnelles pour aller vers un nouveau mode de logement avec Paulin Bouchard, président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, M. Dumont. Changement donc majeur dans l'industrie qu'on annonce d'ici 2025. C'est parce que vos clients, les grands restaurants qui achètent des œufs, font une demande pour ça, hein? Bon, effectivement, c'est un changement majeur pour nous. Les producteurs d'œufs du Québec emboîtent le pas, sont solidaires et partie prenante là, de la décision canadienne. Puis c'est principalement, je vous dirais, là, M. Dumont, les marchés vont agir avec des émotions. Nous, les producteurs et l'industrie complète, on agit à partir de recherche et développement. Vous savez, les décisions qu'on prend, on doit les prendre à très, très long terme. Donc, c'est à la suite de nombreuses recherches que nous, on fait le virage vers des équipements plus sophistiqués, des équipements qui nous permettront à l'oiseau d'avoir plus de liberté dans ses comportements naturels. Parce que présentement, essayons de décrire ça simplement, présentement, les poules sont dans des cages, relativement peu de mouvement. Quand ils pondent un œuf, ça descend sur un grillage puis ça s'en va dans une espèce de petit dallot pour ramasser les œufs, là. Hein? J'essaie de vous vulgariser ça. Si vous voulez, le bien-être animal, là, pour bien le comprendre, 95 % du bien-être animal, c'est de la régie. C'est la régie que le producteur va faire de son troupeau pour permettre qu'il soit en santé, que chaque individu aille bien. Donc, les équipements, les systèmes de logement qu'on parle, ce sont des outils qui permettent au producteur de faire un bon travail. Puis les systèmes de cage conventionnels qu'on connaît présentement ont été extraordinaires dans l'histoire là, pour permettre un meilleur bien-être animal, une meilleure gestion par le producteur. La recherche, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? C'est les chercheurs ont voulu, avec les mêmes bons résultats au niveau des mortalités, au niveau de l'uniformité du troupeau, avec les mêmes bons résultats, est-ce possible de donner encore plus de liberté à notre oiseau? Vous comprendrez bien, là, liberté avec bien-être, c'est pas toujours, ça va pas toujours ensemble, là. Facile à comprendre. Si on avait la liberté d'aller à 150 km/h, peut-être que ce serait pas bon pour notre bien-être, là, si on rencontre un... Ça se comprend bien, là. Donc, l'objectif, c'est d'avoir la même régie, les mêmes bons résultats. Puis, les chercheurs ont découvert, eux autres, avec de la recherche, nous ont aidés à savoir c'est quoi la liberté de la poule. On a découvert 5 comportements naturels qui, pour elles, semblent avoir une importance, dont se percher, pouvoir pondre dans un nid, pouvoir gratter, pouvoir être à l'abri des prédateurs. Mais est-ce que ça va compliquer la récupération des œufs? C'est possible de le faire dans les systèmes, là. C'est sûr qu'il y a eu de la recherche, puis ça a été expérimenté. Les systèmes qui nous sont proposés aux producteurs sont efficaces. Okay. Ça va être possible de faire ça. Ça va être possible de faire ça. Donc, vous allez investir des fortunes là-dedans au cours des 8 prochaines années pour transformer tous les lieux de production. J'ai deux questions bien, bien simples. La première, est-ce que, bon, on pense que les poules vont être plus heureuses, là, c'est toujours, évidemment, les chercheurs, là, dans une longue discussion philosophique, mais est-ce que les œufs d'une poule heureuse sont meilleurs? Écoutez, là... Au goût, là, pour le client, parce que si Tim Hortons veut ça... Absolument pas, là. Ça changera pas pour le consommateur, là. Il verra pas la différence. Il ne verra peut-être même pas la différence de nos investissements. C'est pour l'oiseau. On parle le mot « heureuse », vous comprenez que... Mais là, dans le fond, ma question, là, qui vient avec, parce que là, vous m'avez répondu, les œufs sont pas meilleurs. Est-ce qu'on fait ça parce que la population... a toute une nouvelle vision du bien-être animal, puis là, la population s'imagine des choses... D'abord, est-ce qu'on veut juste plaire aux clients, même si ça ne change rien pour la poule, ça ne change rien pour l'œuf, vous allez dépenser de l'argent pour que le client se sente mieux, qu'il n'a pas rendu une poule misérable? Non, c'est prouvé. La recherche prouve que l'oiseau, lui, va être mieux en pouvant agir avec un comportement plus naturel. On fait ça, bien entendu, pour rencontrer les marchés, mais on fait ça surtout c'est sur une base de 20 ans pour utiliser les meilleurs équipements disponibles dans le monde pour produire des œufs de consommation. OK. Avez-vous l'impression que, de toute façon, vous faites le virage, mais qu'une fois que toutes les grandes chaînes, on a vu les grandes chaînes Burger King et Tim Hortons, qui est maintenant une seule entreprise, mais si toutes les autres chaînes embarquent à exiger ces œufs-là, de toute façon, comme producteur, vous êtes comme poignée. Si vous voulez vendre vos œufs, il faut respecter ça, ce qu'ils veulent, comme soin de vos poules.
Écoutez, on revient à la discussion du début. Le marché, là, les gens qui font du marketing, la mise en marché, eux fonctionnent avec des émotions. Les producteurs, nous, on veut rencontrer leurs besoins, mais on veut le faire d'une façon constructive puis d'une façon qui va être viable. On ne veut pas détruire notre industrie, on veut l'améliorer. La nouvelle réalité. Monsieur Bouchard, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Chez Bel Air Direct, on est...